Alors, on est sur la map Japon. On va partir avec le T-34 1941 dans un premier temps. On n'a pas le choix du point, hein, étant donné qu'on est en mode conquête. Oh là là, on a même un archer. Quelqu'un qui aime le challenge. Bon alors, où est-ce qu'on va bien pouvoir se positionner? En sachant que les maisons ici ne protègent pas, on peut largement tirer à travers. Bon, il y a un autre T-34 ici, le chinois. Je peux pas le viser. Ah là, ils vont prendre le point. Alors, je suis obligé de prendre énormément de risques. Allez, Panzer 4 F2. Ici, on a quoi? Allez, le M4 A2. Oh là là, je me vois là tout seul en tête de colonne. Ce que j'aime pas du tout. Après, bon, le T-34 est un char. N'est pas un char lourd, mais il est quand même assez résistant généralement. Allez, le M24 qu'on devrait pouvoir terminer. C'est fait. Oh là là. Allez, ça c'est détruit également. SDKFZ. Oh là 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 là. Alors là, on aurait besoin de soutien quand même. On est un peu tout seul depuis le début. Oh flûte. Alors là, c'est raté. C'est pas bon ça sur le T-34. C'est caché. Allez, coup critique. On n'aura pas le temps d'y en mettre un deuxième. T-34 là, ça c'est vraiment risqué. Allez, un petit coup pour dire, mais
Ah, flûte. Bon, là, je pense que c'est cuit. C'est quoi? C'est justement le T-34 chinois qui nous a touché, là. Allez, est-ce qu'on va avoir le temps de sortir de là? Donc voilà, il est quand même pas mal résistant, hein, ce T-34. Ouais, allez, on sort. De toute manière, on n'a pas la dépression. Je pense que là, il va peut-être sortir en se disant, je vais pouvoir le terminer. Bon, apparemment, non. Allez, le deuxième M4. On a ce T-34 qui nous pose des problèmes là devant, hein, parce que du coup, moi je peux pas avancer. Il y a quelqu'un qui va prendre le point en plus là. Char lourd. C'est possible que ce soit le KV-1. Il me faudrait quand même du support parce que le T-34 là me bloque dans la progression. Ah là 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 là. Bon, le M4, je pense que là il va sortir. Je peux pas. Bon, j'ai les bombardiers, mais je peux pas partir et puis laisser mon véhicule ici. Allez, commandant tireur, mitrailleur, culasse. Normalement, on doit pouvoir le terminer. Bon, là, je me prends les vengeances des joueurs, hein, qui prennent les avions. Ouais, alors là, c'est le KV-1 qui est sur le point, effectivement. On n'est pas en bonne posture. On a un collègue qui est passé derrière les lignes. Alors là, c'est bien joué de sa part, hein, parce que ça va me permettre peut-être de pouvoir... Ah, il s'est fait détruire. J'allais dire de pouvoir aller sur le point, mais là... On a quoi? Un Panzer sur le côté droit, sur le flanc droit. Voilà, le KV-1, voilà qui est là. Oh là là, bah là c'est fini. Non, c'est bon. T-34, hein, qui nous laisse pas tomber encore une fois. Allez, KV-1, c'est terminé. On va mettre notre artillerie ici sur le chasseur. Double artillerie. Là on a quoi là? Le M4. Ah, flûte. Ça, c'est pas bon. Surtout qu'on a un temps de rechargement maintenant assez important, là. Et qu'il nous manque des membres d'équipage. Allez, il est détruit. Et on va pouvoir essayer d'aller reprendre le point. Alors, par contre, où se placer, là? Parce que si ça revient... Je suis quand même fort exposé. Bon, alors voilà, on voit bien quand même, hein, avec les véhicules, russes, hein, notamment SBR là, en 3.7, on est quand même bien loti, j'ai envie de dire. Je suis en train de grinder les Suédois actuellement et on sent vraiment la différence, hein. Je fais jamais de partie comme ça avec les Suédois, avec déjà 7 kills, 3 assists. Une capture de points. Là, les T-34 sont non seulement maniables, résistants, grosse puissance de feu.
Bon, allez, on va partir en avion, voir ce qui reste là. C'est raté, Panzer 3N, bon de toute manière là qui va se faire exploser hein, le nombre de joueurs sur le coup. Qui résiste bien. Alors on va voir avec le T-34. Voilà, alors là ça. Il n'y a pas de second, il n'y a pas de deuxième chance, j'ai envie de dire. Hein. Alors on est en... Ah bah il leur reste quand même ouais, quelques chars. 6 véhicules, on en a un là qui essaye d'aller capturer le point C, comme on peut voir, char moyen. Je sais même pas vraiment ce que je vais pouvoir faire avec mon bombardier. J'ai deux bombes ici en espérant que les collègues le rushent pas et puis ne se fassent pas détruire par mes bombinettes. Bon là c'est détruit. Alors voilà, on finit donc deuxième avec bon, quasiment 4000 points de recherche, 25000 Silver Lion. Donc on a réalisé 8 kills, enfin 8 destructions de chars, 4 assists et une prise de points. Et donc là le premier, bah voilà, qui était en T-34 également, hein, donc ça montre bien quand même la supériorité de ces véhicules russes là dans ces BR là.